Allez, salut à tous, c'est Captain Falcon et aujourd'hui une vidéo tortillée à la numéro 22 et j'affronte un Ryu. Alors comme vous avez vu, il n'y a pas d'intro, on part directement dans le vif du sujet histoire de réduire encore le temps des vidéos et ça sera commenté maintenant comme d'habitude en essayant de faire le mieux possible. Donc un Ryu qui m'a posé pas mal de problèmes malgré ses faibles points en ladder. Donc ça va aller très très vite, j'espère commenter aussi vite que le jeu. Allez, premier Hadouken que je me prends counter hit. J'ai voulu l'éviter mais ça n'a pas fonctionné. Un anti-air qui me met au sol. Allez, il bourre les overheads et ce sera le premier tortilla de la partie. Il bourre dragon, mais je l'avais senti venir, alors j'ai rien fait. Tortilla dans le coin, il est coincé. Et le premier crossbody qui touche dans le coin, il évite les tortilla, saut chassé, ça passe. Il bourre les overheads comme un taré depuis tout à l'heure là. Le crossbody, puisqu'il avait pas la garde, j'en ai profité. Ado-ex esquivé, pardon, c'est dur à dire ça. Et ça y est, je suis loin et ça c'est pas bon pour moi d'être loin parce que du coup il le sait que je peux rien faire. Et du coup bah j'essaie de me rapprocher avec ce splash qui passe, splash cross-up qui va passer sur son dragon. Allez là cette fois-ci je me le prends en pleine poire l'Hadouken. Tatsumaki pour sortir du coin, j'essaie de le coller en fait, c'est ma seule chance quoi. Hop, point tir qui me fait tomber, comboté avec un dragon, ça c'est plutôt joli à voir ça. Ado-esquive, esquivé, c'est vraiment dur de la faire. Hop, mais là je saving le Hadouken et j'étais sûr du dragon. Et donc un crossbody cross-up vient casser son dragon. Et voilà, donc les Ryu c'est ça, il faut vraiment que je sois au corps à corps parce que sinon il a un jeu de Hadouken assez sympa. C'est pas le meilleur mais du coup ça permet pas mal de choses. Voilà, allez, je suis loin et il en profite, Hadouken, et 2-2, et 2-3, je les évite mais c'est chaud. Mauvaise punition sur son dragon, la mauvaise punition qui est... Du coup c'est lui qui me punit, Tortilla qui évite le Hadouken. Je me prends le Tatsumaki, je veux reprendre un counter hit sur un ado. Ouah, ça bourre les dragons dans les combos. Le classique du Ryu évité. Et là, l'overhead qui passe, on le voit, qui va taper avec son overhead juste après son Ado-X. Et là, c'est juste ce qu'il me fallait pour placer l'U2. Et sa vie est bien descendue. On passe de l'autre côté, Tortilla évité. Ah, là, j'ai voulu faire close gros pied, mais ça n'a pas marché. Ado-X qui est bloqué. Fajita Buster sur son ado pour optimiser les dégâts. Et je punis son dragon. Alors, ce que j'ai fait, c'est pas mal, parce que j'ai arrêté le combo à 3 light. Parce que tout à l'heure, il avait sorti un dragon, et il ressort dragon. Et là, c'est la punition sur le ex-guacamole qui va le terminer. Voilà pour ce tortilla. Ciao!